We're going to move on directly to Lisa Harris-Toy's presentation. So Lisa is a second year PhD student at the Université de Bretagne Occidentale. And her thesis, which is supervised by Professor Hélène Machinel, is devoted to temporalities and history in a selection of Anglophone contemporary dystopias. She studies them through the prisms of the critical approaches of ecofeminism and cyborg feminism. So just as the other two people, your time is of 20 minutes and floor is yours. Merci, Myriam. I apologize for those of you who don't speak French because my presentation is going to be in French. Associées au plus haut degré de subjectivité, les émotions n'ont été que tardivement considérées comme un objet d'étude sérieux. Les scientifiques se demandent comment on peut, et si l'on doit, appliquer la méthode scientifique à des objets aussi instables et intimes que les émotions. Les littéraires craignent de voir leur discipline déjà hautement suspecte disqualifiée par des accusations de trivialité ou d'irrationalisme, alors même que les émotions sous-tendent presque toujours nos interprétations des textes. Pourtant, on parle aujourd'hui de science affective pour désigner l'étude scientifique des émotions par un ensemble de disciplines. La sociologie, la psychologie, l'anthropologie, la neurobiologie, etc. Ce champ d'études a 2 ou 3 décennies tout au plus. La Société internationale de recherche sur les émotions a été créée en 2011, par exemple. Pour donner un exemple en France, le programme Expression, usage et représentation des émotions du laboratoire HCTI de l'UBO s'inscrit également dans ce cadre global que certains appellent un tournant affectif, comme on parlait d'un tournant linguistique dans les années 70. En littérature, la recherche sur les émotions a 2 pans. La réception, d'une part, quelles sont les émotions suscitées chez les lectrices, et le texte, d'autre part, de quelles émotions le texte traite-t-il. Dans le cadre du travail que je présente ici, je m'intéresse davantage à la mise en discours des émotions et à la problématisation de leurs fonctions culturelles, politiques et sociales, et ce, dans un corpus de dystopies féministes contemporaines. Les ouvrages en question sont « The Stone Gods » de Janet Winterson, publié en 2007, The Book of Joan, de l'états-unienne Lydia Yuknovitch, publié en 2017, et The Water Cure, le premier roman acclamé de Sophie McIntosh, publié en 2018. Je m'intéresse plus précisément à la tension entre l'apparent appauvrissement émotionnel déploré par les romans et le foisonnement du discours sur les émotions. La première partie de ce travail traitera du contrôle répressif des émotions, des dystopies. Ensuite, on verra que les émotions, malgré tout, foisonnent et débordent, et s'est présentée comme une piste de résistance féministe. Dans une troisième partie, je verrai comment ces romans revalorisent les émotions, notamment au prisme de l'éthique du care. La première dynamique que j'identifie dans le contrôle des émotions, c'est la répression. Les 3 romans ont en commun de dénoncer un appauvrissement de la vie émotionnelle causé par des structures de domination. Cette caractéristique n'est pas anecdotique, en fait elle fait partie, c'est un ressort de construction des mondes dystopiques. Dans The Water Cure, par exemple, les 3 sœurs, Lia, Grace et Skye, vivent recluses du monde avec leurs parents, qui leur imposent un mode de vie strict rythmé par des rituels. Ces rituels ont pour fonction officielle de leur empêcher d'être contaminés par une toxine qui ravage le monde extérieur, mais en réalité, ça a aussi une fonction de régulation des émotions, comme le montre la citation suivante. « Strong feelings weaken you. Open up your body like a wound. It takes vigilance and regular therapies to hold them at bay. Over the years, we have learned how to dampen them down, how to practice and release emotion under strict conditions only, how to down our pain, how to own our pain, sorry. I can cuff it into muslin, trap it as bubbles under the water, let it from my very blood. » Dans Planet Blue, le premier récit de The Stone Gods, la narratrice Billy souffre d'une double peine émotionnelle.
I should be glad to be shopping in work time, but I'm not glad about anything. In fact, I'm depressed, which is pretty much illegal. By that I mean that at the first sign of depression, I, you, anyone, is supposed to see their doctor and be referred to someone from enhancement. But I am someone from enhancement, and I am depressed. La tautologie finale dans cette citation dresse la satire de la société dystopique bureaucratique. Elle imite aussi la façon dont les émotions des individus sont contraintes à fonctionner en vase clos. La répression des émotions ne les supprime pas, elle crée seulement des émotions négatives supplémentaires et empêche tout soulagement. La deuxième dynamique que j'identifie, c'est la rationalisation des émotions. La sociologue Eva Illouz dit qu'à l'époque contemporaine, les émotions sont rationalisées par le calcul et la quantification. Dans The Water Cure, Sophie McIntosh montre les effets d'une rationalisation extrême des émotions. Les affects sont devenus quantifiables. How much do you love mother today? We ask each other, one by one, lying in the dying grass of the garden or on the beach, burying each other's feet in the sand. The answers come with no hesitation. 2%, 40%, 112%. Cet extrait illustre un mode de vie, un apprentissage de la quantification et la commensuration des émotions qui rend possible la comparaison. On voit que les émotions et les sentiments ne sont pas exactement réprimés dans le corpus, ils sont plutôt mis en mots selon un lexique particulier qui est celui de la quantification, de l'échange, en d'autres termes, le lexique économique. Ça m'amène à la troisième dynamique du contrôle répressif des émotions, qui est la consommation. Dans The Book of Joan, par exemple, les affects positifs sont devenus une denrée rare, dans un contexte où les humains et les humaines ont perdu l'expérience sensorielle et affective du monde. En effet, les anciennes élites de l'humanité vivent sur un vaisseau spatial qui s'appelle Ciel, et leurs corps sont devenus tout lisses, tout blancs et imberbes et asexués, parce que les organes génitaux des gens s'atrophient, ce que le roman qualifie de désévolution de l'humanité. La narratrice, Christine de Pizan, est, je cite, « An expert at skin grafting, the new form of storytelling. » Grafting a été traduit en français par la griffe, ce que je trouve une excellente traduction. C'est un art qui fusionne le tatouage et la littérature pour écrire des histoires sur la peau à l'aide d'un stylet incandescent. Et à force de s'écrire des histoires sur la peau, les personnages ont des monceaux et des monceaux de chair en fait, qui débordent de leur corps. Donc évidemment, on voit que le corps humain est devenu un palimpseste comme dans un effort désespéré de lui rendre son relief qu'il a perdu. Christine décrit ainsi ses griffes. « My grafts were of no outstanding literary merit, but they fed a need in people. These little love grafts, they could touch during the day when they felt alone or sad, their eyes closed for a moment, their hands at their necks, their thoughts turned to some past amorous instant. Women in particular were my main clientele, but men bought them as well. I suppose they are sentimental. When most sensory experience has been obliterated, perhaps sentimentality is the only defense against loneliness. » Les émotions négatives que j'ai mis en gras, solitude, tristesse, s'opposent à une émotion positive présentée comme la reine de toutes les autres, l'amour. Le lexique de la nourriture associé au désir dans cet extrait et dans de nombreux autres du roman signale le caractère vital de l'amour pour les êtres humains. Cependant, deux ombres au tableau. D'abord, les humains et les humaines ne peuvent plus vivre l'amour que par procuration. Deuxièmement, la griffe obéit à une logique commerciale. D'ailleurs, le rival de Christine, Jean de Maine, qui est aussi l'antagoniste principal du roman, exploite ce filon. The graft he created was a romance graft, of all things, and it became quite famous. Widely purchased, widely celebrated by so-called experts, widely and absurdly adulated, and though no one likes to admit this, widely exchanged between bargain shoppers who wanted knockoffs and cheaply made things amidst the smutted alleys of the black market. Everyone, everywhere, had to have it. On voit ici une critique du business des émotions dans le marché de l'art. Et sous le règne de Jean de Maine, les émotions sont exploitées comme une ressource, au même titre que dans le reste du roman, l'eau, les énergies fossiles et les êtres vivants de la Terre, parce que le vaisseau spatial où vivent les restes de l'humanité est toujours relié à la Terre, et en pompant en fait les dernières ressources qui restent sur la Terre, qui est complètement dévastée. Donc j'ai identifié la répression, la rationalisation et la consommation comme des dynamiques de contrôle des émotions. Pourtant, les expressions ne se laissent pas canaliser. Et je vais maintenant parler du débordement des émotions. Par contraste avec le marché littéraire des émotions dans The Book of Joan, The Stone Gods montre que vouloir gérer rationnellement, instrumentaliser ou même mettre à l'écart les émotions est une entreprise vouée à l'échec. Le roman met en évidence un lien intrinsèque entre les émotions et l'art en établissant leur incompatibilité avec la gestion économique.
Neither art nor love fits well into the economics of purpose, any more than they fitted into the economics of greed, any more than they fit into economics at all. Winterson l'illustre par une scène où Spike, le robot sapiens, découvre la poésie. L'existence des robots sapiens amène à plusieurs reprises les personnages du roman à converser sur la différence entre les humains et les robots, et par conséquent sur ce qui fait la spécificité de l'humanité. Au cours de ces dialogues, il est établi que c'est la capacité à ressentir des émotions précisément qui fait la spécificité des humains et des humaines. Or, cette frontière devient brouillée lorsque Spike, le robot sapiens, se met à ressentir des choses après que son compagnon humain lui a lu et expliqué un poème. Après cette expérience troublante, Spike parle d'erreur système. Elle exprime sa volonté de ressentir à son tour l'amour. La suite de cette section contient des indices qui suggèrent que la vie affective de Spike continue de se développer jusqu'à la fin de sa vie. Elle s'exprime sur un mode plus métaphorique qu'avant, elle déclare son amour à Billy, et elle cite des vers. Elle se désintéresse surtout des missions qu'elle est censée exécuter pour le pouvoir central. Les émotions donc surgissent et débordent chez un être qui n'est pas censé en ressentir, puisque dépourvu de système limbique, comme elle le rappelle elle-même. D'ailleurs, sa compagne, humaine Billy, se moque d'elle à ce sujet à la fin du roman. « See you in 65 million years, maybe. Billy? Spike? I'll miss you. That's limbic. I can't help it. That's limbic too. » Ainsi, dans nos trois romans, les émotions sont un facteur de désordre et de résistance. Plus la vie émotionnelle des personnages est riche et spontanée, et plus elle se désolidarise de l'économie de marché et de l'autorité patriarcale. Le deuxième élément de débordement, le deuxième champ de débordement des émotions, c'est le corps. Les émotions sont un phénomène éminemment corporel. Elles se manifestent par des symptômes physiques avant d'être identifiées par le sujet comme telle ou telle émotion. Dans les romans du corpus, on prête attention au corps et aux sensations physiques. Les émotions, comme les corps et comme le monde matériel, sont culturellement dévalorisées et associées aux femmes, alors que la raison désincarnée, à l'inverse, est l'apanage des hommes. Ce dualisme hiérarchique cartésien qui structure l'époque moderne est dénoncé par les féministes, entre autres, depuis les années 60, dans le sillage de la déconstruction d'Héridienne. À partir de ce constat, l'expression corporelle des émotions est doublement subversive, puisque ça implique les émotions et le corps. Par exemple, dans The What a Cure, Lia pleure librement après que son père a disparu. We have never been permitted to cry because it makes our energy suffocating. Crying lays you low and vulnerable, racks your body. If water is the cure for what ails us, the water that comes from our own faces and hearts is the wrong sort. It has absorbed our pain and is dangerous to let loose. Pathological despair was King's way of describing an emergency that needed cloth, confinement, our heads held under water. What constituted an emergency was me and my sisters crying in unison, unable to stop. I love to cry though. With King gone, I have forgotten to feel guilty about doing it. There is no one left to notice what I do now. Alone in my room, the windows flung open and the sun lazy against my eyes. Or under water in the pool, where all water is the same water. En l'absence de la supervision patriarcale, Lia peut libérer ses pleurs et elle y trouve un soulagement. Je remarque que la métaphore de l'eau qui coule est extrêmement courante pour parler des émotions, en français comme en anglais. Par exemple, on parle de « overflowing emotions », en français de « vague d'émotions », on parle d'être submergé en français, « to be overwhelmed » en anglais, « ouvrir les vannes, se laisser déborder par les émotions », etc. J'ai remarqué ça en me rappelant l'étymologie de « abondance », qui vient du latin « unda », « l'eau », « la vague ». Du coup, ça crée un lien qui m'avait pas sauté aux yeux tout de suite entre les émotions, l'eau et l'abondance. Donc s'opposer au contrôle des émotions et les laisser déborder devient une posture féministe dans nos romans, ce qui m'amène à la troisième partie sur la revalorisation des émotions. La sociologue Eva Illouz formule la notion de culture émotionnelle pour parler des arrangements émotionnels différents selon le genre qui structurent et perpétuent les rôles de genre au sein de la société. Pour Illouz, les émotions sont éminemment sociales et culturelles. Les stéréotypes de genre définissent les cultures émotionnelles qui, à leur tour, renforcent ces mêmes stéréotypes. Illouz l'explique ainsi. « To be a man of character requires one to display courage, cool-headed rationality, and disciplined aggressiveness. Femininity, on the other hand, demands kindness, compassion, and cheerfulness. » Les émotions dites féminines sont socialement dévalorisées, et je dirais même plus, les émotions masculines sont recatégorisées en non-émotions. Ce constat est fait aussi par les théoriciennes féministes du Caire, dont Méliné a parlé tout à l'heure.
Carol Gilligan, la fondatrice de l'éthique du care, a montré que la culture émotionnelle des femmes est davantage axée sur le relationnel que sur l'individuation et sur la compassion davantage que sur la compétition, très schématiquement. Comme son nom l'indique, l'éthique du care fait partie de la philosophie morale. Elle conçoit les émotions comme le fondement de l'éthique, définie comme, je cite Joan Chanto, une penseuse écoféministe du care, knowledge is about how to live a good life. Ethics is knowledge about how to live a good life. Le care est donc un projet politique féministe pour les penseuses du care. Et là, je cite Gilligan de nouveau. Moral problems are problems of human relations, and in tracing the development of an ethic of care, I explore the psychological grounds for non-violent human relations. Les protagonistes de nos romans suivent des trajectoires similaires. Elles développent et valorisent de plus en plus les activités de care, mais dirigées envers leurs semblables. Le care peut même être étendu à la vie non humaine, et ce, dans des actes anodins. Par exemple, après que Spike, le robot sapiens dont j'ai parlé tout à l'heure, a développé une sensibilité après avoir découvert la poésie, il y a un épisode où elle décide de porter sur son dos un animal qui les suit, elle et Billy, alors que les deux personnages principaux sont en danger de mort, et Spike, le robot, décide de prendre sur son dos un animal qui est en train de les suivre, et il n'y a aucune motivation rationnelle à faire ça, alors que c'est un robot qui est censé prendre que des décisions rationnelles. Elle le porte sur son dos jusqu'en haut d'une montagne. Et ça intervient donc après sa découverte de la poésie et le développement de ses capacités émotionnelles et de care. Dans The Water Cure, les sœurs se mettent à cultiver le care entre elles. Il y a une redirection de l'amour qui auparavant était alloué aux parents par la force et par le calcul, vers la sororité. Les actes de care sont là aussi complètement anodins et peuvent passer inaperçus dans le roman. Par exemple, elles se mettent à se couper les cheveux entre elles, à s'habiller, à prendre des bains. Je vais maintenant parler de la place de l'amour dans ces romans. Et d'abord un mot sur l'amour dans la littérature en général, parce que ça occupe beaucoup les chercheuses qui s'intéressent aux émotions dans la littérature. D'après Patrick Hogan, l'amour est what is almost certainly the most common emotion treated in enduring and popular literary works cross-culturally. Il y a donc selon lui un aspect universel de l'amour, ce qui peut se discuter, mais ce n'est pas forcément l'objet de cette présentation. Dans nos romans, l'amour est relié au care, au sens où il implique l'ouverture à l'autre et le souci de son bien-être, et la prise en charge de ses besoins. Dans The Book of Joan, par exemple, le personnage de Nyx met des mots sur une opposition qui parcourt tout le roman. Inside the numb, I vowed to murder not just John Men, but anyone anywhere whose existence depended on attaining power, which is nearly everyone. Nyx approaches me now and stares through me. You're alive because I haven't decided who you are. Saviors are dead. God is dead. Are you about power or love? Dans The Stone Gods, un refrain revient souvent. Love is an intervention. Les personnages qu'ils répètent veulent dire par là que l'amour est un facteur de désordre qui ressemble en cela à la vie elle-même. Elle est incontrôlable, aléatoire et anti-autoritaire, par essence. Pour illustrer cela, The Stone Gods et The Book of Joan mettent au premier plan des histoires d'amour non conventionnelles, car déjà lesbiennes, et aussi post-humaines, parce que Spike est un robot sapiens, et Joan est un personnage mutant. Donc des histoires d'amour qui mettent en échec le script hétéronormatif, mais aussi anthropocentré. Ainsi, la définition de l'amour est étendue, y compris jusqu'au monde non-humain et post-humain. D'ailleurs, les deux romans distinguent la sentimentalité et la romance comme genre littéraire codifié et le sentiment amoureux. Pourtant, je remarque que l'amour romantique et le couple restent les voies de salut principales dans ces romans-là. Dans The Book of Joan, l'amour est même complètement identifié à la vie sexuelle, ce qui me semble être une perception restreinte de l'amour et donc une limite du roman. Et de ce point de vue, The Water Cure fait figure d'exception. En effet, les trois sœurs s'échappent du carcan familial et de sa quantification rationaliste de l'amour. Lia échappe à une relation hétérosexuelle profondément inégale et violente. Et c'est l'amour soror qui est revalorisé en dernière instance. En réalité, l'émotion qui contient le plus grand potentiel subversif, c'est la colère. Dans The Water Cure, deux des trois sœurs non seulement finissent par accueillir la colère, mais la voient comme la source d'une communauté de femmes. The anger again, an anger I can't call new because it feels too familiar. It feels like something that has been waiting for me all along. The women's pain had to stick around somewhere, captured by the topsoil,
atmospheric remnants, calcifying into pebbles moved by the sea, who had eaten and breathed it, made it our own. La deuxième citation qui ressemble provient d'une autre narratrice de sa sœur, Grace, qui dit quelque chose de similaire. The anger of the women seeped forth from outside them. It was an anger that welled up deep in their chests. Without it, they would not have been able to survive. I personally have always welcomed it. The moments of power, the burning in my stomach. Là encore, j'ai souligné les termes qui font référence à la corporalité des émotions. La colère provient des injustices et des violences subies par les femmes, et pour ses sœurs, c'est ce qui forge leur sentiment d'appartenir à une communauté. Les émotions ne sont plus une faiblesse à dissimuler, mais un facteur de sororité et de rébellion. Dans The Book of Joan, c'est également la colère qui guide Joan dans sa rébellion contre le pouvoir. Joan, je l'ai mentionné tout à l'heure, est une mutante, et elle dispose d'un pouvoir tellurique qui lui permet de provoquer des ondes de choc qui font qu'elle devient une sorte de bombe humaine. Donc son corps est une arme dans la guerre qu'elle mène contre Jean de Maine. Elle l'utilise pour la première fois sur le champ de bataille suite à un mélange intense de colère et de tristesse provoqué par la mort de sa mère. Le pouvoir destructeur de Joan symbolise la rébellion des femmes contre Jean de Maine, l'antagoniste donc, qui incarne le capitalisme d'extraction et la brutalité du patriarcat. Paradoxalement, la colère renforce le care. Elle permet d'identifier la source commune des oppressions, d'arrêter de lui fournir du care qui lui est indu, et au contraire de rediriger la compassion et l'empathie vers le soin de sa communauté. Pour conclure, je voudrais revenir sur la notion de répression des émotions avec laquelle j'ai commencé, pour me demander si c'est vraiment là la dynamique centrale dénoncée par les romans. Michel Foucault posait une question similaire au sujet de la sexualité dans La volonté de savoir. Il demandait, y a-t-il réellement une répression de la sexualité depuis le XIXe siècle ? Il examine ce qu'il appelle la thèse de la répression, qui considère que l'enjeu, c'est de libérer la parole sur la sexualité. Cependant, Foucault observe qu'en réalité, les discours sont partout. Il y a une incitation à parler de la sexualité, mais à en parler de façon rationnelle, codifiée et régulée. Ce qui est en jeu, c'est pas la répression, mais la régulation du discours, la régulation de l'expression de la sexualité. Donc ma première intuition au début de cette recherche, c'était que les émotions étaient réprimées en patriarcat et que c'est ce que les romans dénonçaient. En réalité, à ce stade du parcours, je considère que c'est plutôt la régulation de l'expression des émotions qui est en jeu. Il y a des façons d'exprimer ces émotions qui sont licites et d'autres non. Mais les flux d'émotions ne s'épanchent pas. On peut se demander si les sciences affectives, que j'ai mentionnées, en multipliant les discours et les approches sur les émotions, participent à la régulation du discours, ou si au contraire, la diversité des approches permet de faire émerger un discours non univoque sur les émotions. Je ne peux pas trancher, évidemment, mais j'observe que la littérature féministe prend très au sérieux la façon dont nous verbalisons les émotions et qu'elle en fait un véritable sujet politique. Merci pour votre attention.